Latifi reconnaît un manque de passion en 2022. Oh là 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 là, le pauvre chou. Il y en a tellement qui aimeraient être à ta place et tu oses dire que tu es en manque de passion. Même si t'es dernier, je suis désolé, t'es en F1, t'as pas de plainte quoi. Sur le plan sportif, c'est un défi. D'un autre côté, vous pilotez une voiture de fond de grille, mais ça reste une voiture de F1. Cette année, malheureusement, nous avons fait un pas en arrière alors que nous espérions courir dans la catégorie intermédiaire comme Alpha, As ou Aston Martin. Ils ne peuvent pas non plus prendre des points à chaque course, mais ils se battent à chaque course. J'ai dû réfléchir à ça après les commentaires de Sébastien, après son brillant combat avec Magnussen Austin. Combien de fois ai-je eu ce genre de sentiment au cours de mes 3 années en F1? Peut-être 3. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion de nous battre très souvent. Vous pilotez alors beaucoup de courses contre vous-même, ou contre les temps autour que fait votre coéquipier. J'aurais aimé pouvoir vivre plus souvent cette vraie course, parce que c'est ce que j'aime le plus en compétition. Mais excuse-moi, Latifi, mais les rares fois où tu as été en lutte avec des pilotes, ça s'est mal terminé. Donc bon, excuse-nous, hein. Il révèle que la passion a rarement été au rendez-vous cette saison. Si vous ne ressentez pas ce sentiment assez souvent, s'il n'est pas là pendant longtemps, vous devez vous demander si vous avez vraiment couru beaucoup ces 3 dernières années. La passion, dans ce sens, était-elle aussi forte que je l'aurais souhaité? Non. Le public n'a pas toujours été tendre avec le Canadien. Il a même dû faire face à une vague de haine après Abu Dhabi. D'autres l'ont surnommé avec plus ou moins de bienveillance Gotifi par rapport au terme Greatest of All Times, soit le meilleur de tous les temps. Le sens de ce surnom est double, puisque Goat veut dire aussi chèvre. Un terme employé pour se moquer de la performance d'un athlète. Cependant, il parvient à faire la différence. Certains fans étaient clairement beaucoup plus négatifs. C'était clairement pas mes fans. Quand les choses ne vont pas bien, il y a toujours des gens qui sautent dessus pour critiquer. Je sais que j'ai ma propre base de fans sincères. Des gens qui ont une image plus précise de moi en tant que personne. Alors, je pose la question. Dites-moi en commentaire si vous êtes au premier degré fan de Latifi. Mais pas en rigolant, hein, vraiment, si vous voulez, vous aimez ce pilote. Et si oui, pourquoi en fait? Dites-moi en commentaire, j'aimerais des témoignages. Des témoignages sincères, évidemment. Donc il y a des gens qui ont une image plus précise de moi, là, puis de l'autre côté, vous avez les moins sincères. Cela s'applique également à de nombreux médias, y compris les grands, qui choisissent d'organiser leurs activités de cette manière. J'essaie de ne pas m'en inquiéter, je n'ai pas non plus été sur les réseaux sociaux toute l'année, parce qu'il y a plus de choses négatives que de choses agréables. Et pourquoi il y a des choses négatives, Latifi? Parce que tu performes pas, en fait. T'es pas bon. Si tu performais, les gens diraient du bien de toi, tout simplement. C'est comme ça que ça marche, hein. Oh là là, il va pas nous manquer, lui, je vous le dis, hein. Allez, je vous laisse commenter, ciao.